Et salut à tous et à toutes, ici 1212 Blizzard pour le 10e épisode, et oui ça va vite, de son let's play sur Diablo 3. Oh yeah, on va continuer où on en était parce que sinon ça sert à rien de faire un let's play. Donc on s'était quitté la dernière fois sur un gros défonçage de thunes, mais bon, gros façonnage d'armure, hein. Faut le dire, on s'est fait une belle armure. Là je retourne, je me rends compte que j'ai des trucs. Donc on va continuer là. J'ai une petite épaulière, je suis content parce que j'en cherchais justement partout les épaulières et là j'en ai trouvé. Donc je suis revenu juste pour poser mes affaires parce que j'ai pas envie de crever comme une merde. Ouais, j'ai gardé des petits trucs, c'est pas con. Allez hop, on va revendre vite tout ce qu'on a. Et puis on va essayer d'aller libérer le demi-dieu, black, ange, démon, avec une épée de la mort, style Dragon Ball Z. Et tout ça ensemble, mais c'est pas super fantastique. N'empêche que les mecs, ils ont installé des pentacles téléporteurs un peu partout dans le monde. C'est chaud. Oh non! J'ai pas pu détruire ce bureau! Vous m'envoyez vexé. C'est qui Virgile? Qui? Virgile, c'est pas un peu... Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Dégueulasse. Quelque chose qui ne va pas, mais lui il continue avec son histoire de il y a quelque chose qui va pas. Bien sûr qu'il y a quelque chose qui va pas, connard, il y a tout qui est en train de cramer. Mais il est vraiment débile. C'est pas possible. Ah mais j'avais pas compris qu'on était là, ok, c'est toujours la même machine. Oh yeah, ça c'est du portail utile. T'as même pas besoin de le toucher et ça il s'ouvre. Ça sert à quoi de se faire des fortifications en ce cas-là? Faut que j'aille là et je suis là. Hein. Village ou mort, le mec il va crever, c'est bien loin quand même. Ouf. Oui, il était fortuné, le villageois, il était en toge, mais il avait une armure dans sa poche. Je ne peux pas le dire. Hein. Bon, je dépouille comme un gros porc tous les villageois, mais bon, c'est ça qu'on aime dans Diablo, hein. C'est ça qui est bon. Ah, j'aime bien les décors qu'il y a ici, regardez-moi ça là-bas, c'est... Eh, comment ça se fait que c'est là-bas, d'abord? C'est quoi ce délire? Il y a un truc que j'ai pas dû comprendre. Genre, pourquoi c'est là, hein? Bon, il y a un truc qui clignote. Ce que je sais, c'est que je vais y aller. Ah. Ouais, bon, je suis carrément largué. Je crois que côté histoire, on m'a définitivement paumé. Si vous avez compris quelque chose. Et pas moi. J'ai peut-être envie de le changer, lui, au final. Parce que peut-être qu'il est jaune, tout ça, qu'il a des bons trucs. Mais il a qu'une armure de merde, quand même. Qu'une armure de merde. Désolé. Petit décalage de siège parce que là j'étais pas calé du tout et j'aime pas jouer décalé. C'est... Ah d'accord, ah en fait on descend, c'est pour ça qu'il y avait un truc en bas. D'accord, là c'est plus normal. Ah c'est qui lui? Ermite fou. Ok, bah déjà il a pas l'air net. Oh putain. Ah ouais, lui s'est piqué à un truc puissant quand même. Non, ça va, on va pas lui reparler, hein. Je crois qu'il a une belle vie tranquillou, on va le laisser. On va aller dans la grotte, ça a l'air mieux que parler à ce mec. Désolé, vous avez revu. Hop. Grotte d'Adriana. D'Arena. Oh putain, c'est quoi ce délire? Non, en tout cas, il y a des œufs. Ah bah ouais, je savais bien qu'il y avait pas des œufs pour rien. Oh yeah, si ça c'est pas la classe. Donc en fait le mec qui nous raconte là, il raconte toute l'histoire à chaque fois. Bon, moi j'en ai pas forcément besoin parce que je m'en fous un peu de l'histoire. Ah! Ah la salope! Allez, moi je peux me déplacer comme un ouf moi. Putain mais... On est passé par les hommes boucs, par les squelettes, par les démons, par les... Maintenant c'est les araignées. Donc là il y a un coffre, hein, normal. Oui, les araignées. Ouais, non, mais on sait ce que c'est une araignée, connard. Le mec commence à nous expliquer ce que c'est une araignée, s'il te plaît. Oulala. Ah ouais, non, mais ça, c'est pas une araignée, en fait, ça. Eh oh. J'ai pas signé pour ça, moi, engagez-vous, qui disait, putain. Ouais, d'accord. Ah, faut que je me casse. Ah, il y avait du poison par terre et un truc qui ralentissait, genre le duo de fourbe. Ah si, ça va, il fait mal, quand même, mon mec, hein. Mine de rien. Mine de rien. Allez, une hache large.
cas, il y a du stuff, ça c'est pas mal. Mais bon, je me suis créé un stuff de fou là. J'ai même une épaule. Je suis content parce que j'ai une épaulière. C'est débile parce qu'on n'a rien à faire d'une épaulière. Le templier m'a dit qu'il avait peur des araignées. C'est pas grave. Mais, pas que je vous l'ai dit. Mais oui, on te croit, Jackie. Allez, go, cours. Saute. Oh, on peut pas sauter, hein, ça me perturbe ça. Avec le barbare, on peut faire des sauts. Et c'est trop pratique parce que ça raccourcit les machins trop rapide. Ah! D'accord. C'est qui a crié là? Villageois désespéré. Il est où ce mec? Ah, il est là-bas. Eh ben, sors! Ah, rentre en fait, hein, si tu veux. Bon, le pauvre, hein, on aura essayé de l'aider. Bon, en tout cas, moi je ramasse les trucs tel un gros fumier. Il y a plein de trucs comme ça, c'est pourri en fait. Les vaudous, ils ont des masques de féticheurs et tout là, et moi je me tape un vieux truc tout pourri. Ouh là là, ça m'a fait peur. Et c'est dégueulasse. C'est pas que je crains les araignées, enfin, je suis pas un mec qui a peur des araignées comme beaucoup de gens. Mais voilà, c'est quand même voir des araignées défiler. Voilà, voir un mec exploser, tout ça. C'est pas que c'est la joie, hein, mais j'aimerais pas me balader là-dedans non plus quand même. Hein. Ça, c'est presque sûr. On va laisser les œufs fluorescents en paix, hein, parce qu'ils font des araignées un peu OG, mais... Ah, non. Ouais, ça c'est clair, tu l'as dit. Allez, frappe. Frappe, Jackie. Allez, fais ta technique du dragon. Souffle divin. Aïe, je prends cher. Ça va. Je suis pas Chuck Norris pour rien. Hein. Faut pas non plus croire à la Marie Vierge quand elle Marie Vierge. Qu'est-ce que j'ai ramassé? Une arme d'acte supérieure. Oh bah elle a l'air puissante celle-là. On va pas s'en priver, tiens. Ah elle était magique. Ah merde, c'est une demain, d'accord. Bon bah on oublie, hein. J'ai ramassé une tunique. Ah oh, putain, je viens de la créer celle-là. Mais bon, c'est vrai qu'elle est quand même pas mal puissante. Un centurion de barbare. Et c'est tout. Bon, c'est pas grave. Bon, j'aurais toujours ça et ça et ça. Que j'aurais bien fait créer. Allez, toi, meurs. C'est la fête. Et, en fait, c'est un mec. Le prochain combat, je vous fais un zoomer pour que vous voyez comment c'est trop stylé. Regardez ça. Là, il fait ça. Il y a des runes qui apparaissent. Après, il fait un tourbillon divin. Après, il fait... C'est pour ça que je kiffe le moine, quoi. C'est fluide. C'est pas tout le temps la même attaque. C'est vraiment... Là, je kiffe le moine. J'ai testé que le moine et le barbare. C'est sûr que c'est pas un bon exemple, le barbare, en termes de fluidité. Hein. J'ai vu le chasseur de démons en action et le féticheur. J'en avais commencé à niveau 10, enfin niveau 3 dans la bêta. Ça m'a pas. J'ai vite fait plus parce qu'il peut incanter des mecs, mais pas plus. Parce qu'il est avec sa vieille sarbacane là. Et puis il est aussi axé poison. Et dans les jeux, j'aime pas les mecs qui sont axés poison. Voilà, j'ai ramassé des bottes. Bon, toujours pareil. Hein. Je suis là pourquoi moi? Ah oui, chercher la chambre de la reine Arena. Ouais, à mon avis, ça va être une putain d'araignée, hein, tous les coups. Oulala. D'accord, j'ai tué 11 mecs en un seul coup. C'est qui Chuck Norris là? C'est qui Chuck Norris? Allez. J'ai l'impression que mes coups ils se font au ralenti. Le mec il bouge sa main, 3 heures après il y a des runes qui apparaissent. Allez, araignée tuée. La petite araignée là, elle a cru qu'on l'avait pas vue celle-là. Allez hop. Mignon. Putain, je veux pas savoir ce qu'il y a dans ce machin là. Voilà, dedans non plus d'ailleurs. Hein. Mais comment ils entrent en scène les monstres? Je trouve ça trop bien fait aussi. C'est pas comme. Ils apparaissent pas comme des merdes. Hein. C'est bien stylé. Allez. Allez. Ouais, on dirait qu'il tape pas mon mec, c'est chelou. C'est assez spécial, c'est un cétacé. Allez, comment je l'ai éclaté lui. En fait, il fait son truc, il sprint. Puis après, au dernier moment, il fait demi-tour, il attaque par derrière. Allez hop. Fureur du tigre. Non, mais moi je vous dis, j'ai l'habitude maintenant. Hein. Ces petits combats-là, c'est pas pour les tafioles. Hein. Qui? Ma fille du fermier. Allez hop. Je pense à toutes les filles de fermier. Tout le temps.
là-bas. Pardon, je ne parlais plus. Enfin, remarque, je suis pas obligé de parler non-stop non plus, mais bon. C'est un let's play quand même, c'est pas comme si vous regardez un bot jouer quoi. Un bot, un robot. Hein. Allez, allez. Dans l'étoile d'araignée, on est ralenti, c'est chiant. C'est inadmissible, je vais parler à Monsieur Blizzard pour qu'il cesse donc ses fourberies tout de suite. Allez. Allez. Ouais, vous voyez que ce ralenti des attaques, ça fait. Il fait son coup, puis après il crève. Ouais, j'ai plus la rune de téléportation du coup, hein, parce que j'ai plus la même attaque. Mais là, genre. Oh, y a... Pouah, j'adore ce jeu, j'adore, c'est tout. Je peux même pas décrire ça. Il y a des trucs trop bien qui vont arriver. Le prochain sort, bah, tous les niveaux en fait, on a des trucs nouveaux. Rien que ça, c'est énorme quoi. Moi, j'ai envie de voir juste. Allez hop. Là. Quand est-ce qu'on va les déverrouiller au niveau 14 ou au niveau 19? Ah, ça va être bon ça. Au niveau 14, c'est quand? Moi je suis niveau 11, bientôt niveau 12. Ça va pas tarder. J'ai quoi la vitesse d'attaque? Ah ouais, là je tape quand même gros port avec ça. Allez, allez, moi je suis Chuck Norris, je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà dit. Ils comprennent rien, moi je vous les coupe partout là. Et puis en plus, lui j'ai l'impression qu'il fait mal, donc ça va, c'est pas, c'est cool quoi. J'ai toujours pas vu un seul doigt, je pense qu'avec le temps ça arrivera, c'est exprès. En même temps, si on était full stuff dès le début, ça serait assez spécial. D'accord, encore, t'as pas cramé toi? Allez. Ah mais il se bat avec une dague trop stylée, c'est trop stylé qu'elle se bat avec la dague. Il la retourne là et... Fureur du tigre, il y a des minuscules araignées. Et puis il y a des trucs, c'est même pas trop, j'allais dire humain, mais en fait faudrait dire araignée terre. Je sais pas si ça se dit, c'est pas araignée. C'est moyen quand même. Bon allez, j'entre cette cave là-haut. Je trouve c'est ici quoi le truc. Moi j'ai fait tout ça pour rien. Ça arrive trop souvent dans Diablo, c'est des trucs... C'est le truc basique du parfait noob. Tu fais tout le tour du donjon pour te rendre compte que c'était au milieu. Et t'es deg. Donc ça fait 12 minutes que je vois sur mon petit chronomètre. Ah mon chronomètre, vous allez en entendre parler, c'est parce que je suis fier en fait. Hein. Alors c'est un chronomètre basique, hein, mais moi je suis heureux quoi, c'est tout. C'est un peu comme si vous trouvez un œuf de poule dans un poulailler, vous êtes heureux de ramasser l'œuf de poule. Voilà, c'est comme ça. Enfin, ouais, je suis peut-être bizarre après. Hein. Sûrement même. Allez. Allez, une autre balance ses runes. Ah, j'ai cru qu'il y avait des boosts qui volaient. Oulala, il y a un gros méchant truc. Ah, normal. Le mec s'était enterré avec sa barre riche, là où je sais pas trop comment ça s'appelle. On va pas te péter tous les sacs d'œufs parce que ça va vite m'énerver. Mais ouais, j'avais raison, c'est là-bas. Hein. À moins que ce soit là-bas. J'ai un doute, j'ai pas envie de refaire tout ça pour rien. Je vais aller voir vite fait là-bas. Parce que si c'est là-bas et que j'aurais fait tout le tour pour rien, ça m'aura assez dégoûté. Ouais, c'est là donc j'ai bien fait. Hein. J'ai bien fait. Allez, ce sort, c'est juste le sort. Le sort d'intervention par excellence, quoi. Ouais, je suis heureux, j'allais retourner tout là-bas. Et j'ai bien fait de pas y retourner en fait au final. Ah mince! Qu'est-ce qu'il fout là lui? Mais qu'est-ce qu'il fout là? Votre dévotion besoin d'esprit admirable. Ah mais il est complètement taré ce vieux fou. Le mec il allait crever au milieu des... Ouais, enfin on va dire qu'ils sont tous fous dans ce monde, hein. Ça va aller plus vite. Allez allez allez. Oulala. Là là. Mon esprit il monte moins vite qu'avant, j'ai l'impression, c'est assez chiant. Enfin remarque c'est chiant enfin. C'est pas que c'est chiant, c'est que c'est embêtant quoi. Ouais, point de sauvegarde. Ça c'est chiant par contre, le système des points de sauvegarde. Enfin ça a toujours été dans Diablo, mais ça c'est embêtant quoi. Ce serait mieux qu'on puisse faire pouf, déconnecter et hop, fini. Chercher la chambre, parler à la femme prisonnière de la troll. D'accord, qui c'est elle? Oulala. Aidez-moi. C'est horrible. Elle aspire les entrailles de ses victimes. C'est
maintenant. Je l'entends. C'est la reine araignée. Elle arrive. Oh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Allez là-bas. Ah. Ah putain, c'est un gros boss ça en fait. Ça c'est un gros boss si j'ai bien compris. Et ça a pas l'air... Oh ouais, il a quand même beaucoup de vie. Ah, il y a du poison, il y a du poison, il y a du poison. On se barre de là. Et je sais pas pourquoi elle bouge pas, mais on dirait qu'il y a que moi qui bouge quoi. Ah, il y a encore du poison là. Ah, ah, c'est quoi ce truc de gros porc? Ah, elle s'est cassée. Elle s'est cassée la salope. Ah, elle m'envoie des ads à la gueule. Ah, des ads, des mobs secondaires. Hein. Mobs, des monstres. On refait votre culture geekosienne si vous ne connaissez pas les termes. Elle est là-bas, elle est là-bas. Allez, crève. Putain, mais il est presque aussi fort que le roi squelette en fait. Enfin, autant de vie après forte, elle fait pas bien mal quand même. Ah, il y a du poison encore. Je reste pas sur le poison parce que c'est comme ça que je suis mort la première fois, donc j'ai pas envie de retenter l'expérience. Hein. Donc là, j'aurais dû remettre ma glyphe qui fait que je me TP parce que là, j'ai une glyphe de zone, sauf que je me bats contre une seule personne et c'est pas très pratique. Putain, il y a du poison. En plus, elle se déplace pas, cette porc, quoi. L'autre, il la bute. Ah, mais c'est vrai que quand on est archer, ça a pas l'air bien dur, quand même. Hein. Elle a pas l'air bien dure quand t'es archer, parce que comme elle bouge pas... Mais y a des gros porcs de partout, en tout cas, ça c'est clair. En fait, quand ils sont morts, on dirait qu'ils sont vivants aussi, donc c'est bizarre. Ah. Ah bah, toujours le même scénario, au final. Ah, elle est passée derrière. Ok, elle a fait un salto pour aller cracher son venin derrière, sauf que j'étais plus là, moi. C'est pas un peu débile. Allez, allez, tu peux te la faire, Jackie. Je sais pas si je suis pas sur le poison, là. Ah, là si je suis sur le poison, là. Ah! Casse-toi, connard! Y a pas marqué un endroit où vous êtes sur le poison, un truc du genre. Du coup, on sait pas vraiment si on se fait empoisonner la gueule ou pas. Je prends une potion, là. Hein. Parce que j'avais plus beaucoup de vie. Enfin, c'était peut-être pas important, parce que je pouvais me healer. Je commençais à prendre cher. Ah là, je suis sur le poison, là, je pense. Bon, c'est qu'elle est nulle, celle-là, elle tape même pas fort. En tout cas, elle a un petit fil d'araignée qui lui sort du cul. Enfin, je sais que c'est pas son fion, mais... Voilà. Oh yeah. Oh putain. Ah, mais apparemment, c'était une grosse... Une grosse posse. Ah ouais, donc l'autre, elle est sur le truc et il y a son venin qui est en train de la ronger, quoi. Ah, la flaque pour la flaque, elle peut dissoudre la toile. Voilà, on a dissous la toile. Voilà, je vais voir les objets que j'ai récupérés. Ah putain, j'ai récupéré des trucs de barbares et de féticheurs quoi. Oh, la loose. Je suis deg. J'ai récupéré un truc de barbare. Je ne sais pas me servir. Et de féticheur. J'aurais pas pu récupérer un truc de moine, enfin normal quoi, un truc de tout quoi. Ah, peut-être que je vais essayer de les vendre à l'hôtel des ventes. Si je peux m'en tirer quelques pièces d'or, ça pourrait être pas mal quand même. Je ferai ça hors caméra parce que c'est pas très intéressant l'hôtel des ventes. Hein. Mais je vous dirai si un jour j'ai réussi à les vendre. Donc, on en est à presque 20 minutes. Donc on va se laisser là, on a réussi à battre un gros boss, c'est déjà pas mal je trouve pour un épisode. Il y a eu des trucs qui sont passés, donc elle est carrément énorme en fait, c'est un gros boudin. Donc on va se laisser devant le petit boudin, avec Iscream qui vous dit coucou, je crois même qu'on peut lui faire dire des trucs. Genre des émotes, attendez, juste pour la fin on va se faire des émotes. Merci, voilà, 3 du pavé numérique. Et il n'y a pas un au revoir. Bon, il y a un merci, donc on va faire un merci. Non, allez, dis pas merci. Ah, je veux dire un merci, hein. Là, je suis catégorique. Je veux vous dire merci. Je vous remercie.
Voilà. Et le Scream vous a remercié. Je vous remercie aussi. J'espère que ça vous aura plu. Et toujours la même histoire. Si vous avez aimé, aimez. Si vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous. Si vous voulez un concours, faites-le savoir et faites-le moi savoir. Si vous voulez, vous avez surkiffé, favorisez. Et surtout, à plus pour de nouvelles épisodes, de nouveaux épisodes de ce Let's Play Endiablé. J'espère que ça vous plaît toujours autant qu'au début. Moi, en tout cas, je m'éclate toujours autant. C'est la patate, c'est un plaisir.